Bonjour, agent Wilmore. Bonjour, agent Cook. C'était pas le jour d'arriver en retard. Il y a un des patrons qui débarque. Je ne suis pas au courant, mais ça a l'air sérieux. Il vous a dit quelque chose? Non. Est-ce qu'il a parlé de moi? Calmez-vous, à vous voir, on vous croirait en faute. Entrez. Voici le directeur adjoint Skinner. Agent Wilmore. Monsieur le directeur. Deux de mes agents ont disparu, Fox Mulder et Dana Scully. Je suis sans nouvelles d'eux depuis 3 jours. Je suis extrêmement inquiet. Votre dernière rencontre? Dans mon bureau de Washington, juste avant leur départ. Sur quelle affaire travaillait-il? Je manque de précision. Je sais seulement que leur fiche de déplacement mentionne la ville d'Everett dans l'état de Washington. Les deux agents en question bénéficiaient d'une grande souplesse dans leur autonomie. À cause du caractère particulier de leur mission. Que dois-je faire de mes dossiers en cours? Transmettez-les à Cook. Je sais qu'il est débordé, mais ceci est prioritaire. Doit-on mettre également Cook sur cette enquête? C'est à vous d'en décider. Vous savez quels sont nos règlements sur les renforts. Je vous suggère d'avoir recours à un maximum de ressources. Ils ont déjà disparu autrefois? Pas de cette façon. Les numéros de leur portable? Vous les trouverez dans le dossier, ils ne répondent plus, évidemment. Ils n'ont pas eu d'aventure ensemble? Je n'en sais rien. Ça m'étonnerait. Il n'y a pas de liaison entre eux actuellement? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Je ne pense pas. Partez sur la piste de Mulder et Scully et donnez vos dossiers en cours à votre collègue Cook. Skinner ne tardera pas à vous recontacter. Sur quoi vous travaillez? Un réseau de faux monnayeurs et une milice armée en train de sévir du côté des cascades. Et un dossier DEA sur un labo clandestin. Ça baigne, c'est de la routine. Shanks m'a demandé de vous donner l'ensemble de mes dossiers. Génial. Merci, Golden Boy. Je souhaiterais que nous allions au motel où Mulder et Scully sont descendus. Rejoignez-moi dans la voiture. Que désirez-vous? Nous sommes sur la piste de deux agents du FBI qui sont descendus ici. Vous auriez peut-être une pièce d'identité sur vous. Agent Wilmore, veuillez montrer votre badge à cette jeune fille. En quoi est-ce que je peux vous aider, messieurs? Oui, c'est eux. Vous avez l'immatriculation de la voiture qu'ils ont louée? Oui, sur le registre. Bien sûr, je n'ai pas été vérifié. Veuillez me la noter, s'il vous plaît. Notez-vous tous les appels vers l'extérieur? Oui, pour faire ma facture. Pourrais-je avoir le relevé? Oui, laissez-moi une minute. Peut-on voir leur chambre, s'il vous plaît? Bien sûr, suivez-moi. Voilà, ça c'était sa chambre à lui, elle était dans l'autre. Merci. J'espère qu'on ne va pas trouver de cadavre. J'ai mon examen la semaine prochaine. Vous êtes libre de tout visiter. C'est eux qui vous ont demandé de ne pas fermer à clé. Pourquoi? Ce n'était pas fermé? Ils ne m'ont rien dit. Merci. On vous appellera si on a besoin d'autre chose. Vous savez où me trouver? Commencez par la chambre de Mulder, je fais celle de Scully. Je ne vois rien ici qui sorte de l'ordinaire. Ça ne signifie pas que c'est bon signe. Ce qui m'aiderait, c'est de connaître le contexte de l'enquête menée par vos agents. Bien sûr. Je vous donnerai ce que je possède. Devriez être un peu plus discret. Allez voir l'autre niveau pendant que je vais regarder ici.
J'ai trouvé du sang. Quelqu'un a été touché. Pourquoi Mulder et Scully seraient forcément venus ici? Je n'ai pas sûr, mais tout m'incite à le croire. Il y a un vieux pêcheur par là-bas. On va l'interroger. Je crois que c'est une bonne idée. Il a peut-être vu une chose importante. Agent Wilmore, FBI, j'ai quelques questions à vous poser. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Pas vraiment, à part le fait que les magasins sont plus déserts que d'habitude. Votre nom? James Wong. Ces entrepôts, que pourriez-vous m'en dire? Rien de spécial. Ce sont des magasins. Quand je viens là, je reste à quai. Il y a un tas de cargaisons qui vont et viennent sur ces docks. Il y a parfois des hommes armés. Ces temps-ci, ça bouge plus beaucoup, mais ça m'étonne pas étant donné ce qui se passe dans les environs. Il se passe quoi ces temps-ci? Les réserves de pêche s'épuisent. Quel est le problème de la pêche? J'en sais rien, mais ça va très mal. Des gens pensent que c'est parce qu'on a trop pêché. Ça dure depuis longtemps? Assez pour avoir découragé plein de monde. Les types s'en sortent pas. Et moi-même, je me pose des questions. Je reverrai mes notes dans la salle de réunion. À quoi a pu servir le plomb réduit en poudre? J'en sais rien, j'avoue que ça me déconcerte un peu. C'est peut-être un produit dérivé d'une manufacture d'armes. Je suggère que vous cherchiez de ce côté-là. Directeur Skinner, on vous appelle sur la ligne 1. Ici Skinner. Je comprends. Je dois partir pour Washington immédiatement. Je vais apporter au labo des échantillons de sang pour les faire analyser. Je veux que vous fassiez surveiller cet entrepôt dès ce soir. Ces deux agents sont très importants pour moi. Comment ça va, votre service? Je parie que vous léchez les bottes de Skinner et sans retenue. Ça peut aller. Génial. Comment est Skinner? Il est bien. Je suis ravi d'entendre ça. C'est à qui ce portable? Il est à Scully. Un mot de passe le protège. Vous voulez que la division informatique y jette un coup d'œil? Oui. C'est parti. Aucun problème. Est-ce que vous avez le numéro du bus? Ça va aller? Faudra bien. Oh, je vais survivre, malheureusement. Du moins jusqu'à ce que je rencontre Shanks. Oh, ah, faut aller voir si rien n'a disparu. Le portable de Scully a disparu.
C'est sûrement pour vous. Ouais. Allô, c'est l'agent Wilmore ? Oui. Agent Wilmore, ici l'agent Pendrell, je travaille au labo de Washington. J'ai fait l'analyse préliminaire du sang qui a été envoyé par vos services. C'est une mauvaise nouvelle que je vous annonce. Ces traces de sang venaient bien de l'agent Scully. Nom de Dieu. Vous en êtes certain ? Pratiquement. Enfin, un complément d'analyse vous en dira plus, mais je suis presque certain que ce sera confirmé. Disons que nous savons qu'il y a eu blessure. Il y avait beaucoup de sang sur les lieux ? Oui, enfin, pas mal. Ah, c'est peut-être qu'une blessure spectaculaire. Faut l'espérer. Merci de votre appel. De rien, je vous avertirai s'il y a quelque chose. Oui, s'il vous plaît. Agent Wilmore. Oui ? Je peux être tenu au courant ? D'accord. Au revoir. Encore de bonnes nouvelles. Vous savez le pêcheur que vous avez interrogé ? Il est mort, on lui a tiré dessus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Je suis venu tôt, je comptais voir votre travail. Quelqu'un m'est tombé dessus. Vous avez pu le voir ? Non. Qui que ce soit, le coup a été bien porté. Ils n'ont pris que l'ordinateur de Scully. Pourquoi ? Vous avez compris. Shanks va être fou furieux. Et également Skinner. Oui, c'est normal, il faut s'y attendre. D'abord, ces agents disparaissent, et ensuite, nous perdons leur dossier confidentiel. Je ne connais pas toute votre affaire, mais il y a un mec qui a un sacré piston pour arriver à voler du matériel dans un bureau du FBI. Comment saviez-vous pour Wong ? Quoi ? Que j'étais allé lui rendre visite hier. Vous me l'avez dit. C'est moi qui ai eu le coup sur la tête, pas vous. Je n'ai rien dit à propos de Wong. Alors c'est Skinner qui m'a parlé, lui. Oui, entrez. Toutes mes félicitations, mon vieux. Je sais pas comment vous vous êtes arrangé, mais vous venez de justifier l'intervention de la police fédérale. Vous avez de la chance. Quelle est l'heure de la mort ? Eh bien, vu le nez, je dirais qu'elle remonte à peu près à 5 ou 6 heures. Donc soit en fin de nuit, soit en début de matinée, tout au plus. Quel était le calibre de l'arme ? Peut-être bien 11.43, disons pour le moins 9.06, quoi. La balle a percuté la mastoïde. C'est cette grosse masse spongieuse en bas de l'oreille. Elle éclate souvent quand il y a un choc et ça crée des dommages très importants. Il y a des morceaux d'os brisés qui vont se ficher dans le cerveau. C'est là que Kennedy avait reçu sa balle. Vous êtes un partisan de la théorie du tireur solitaire ? Non, c'est les extraterrestres qui étaient derrière tout ça. Il y a des traces de bagarre ? C'est ce que je crois, mais il faudrait voir ça avec l'inspecteur à Stadourian. Un médecin légiste n'a pas l'occasion de fréquenter les gens qui ont été présents sur les lieux. Que puis-je faire pour vous ? Je suis l'agent Craig Wilmore, FBI. Le FBI ? Qu'est-ce qui peut l'intéresser dans le secteur ? J'ai été lui rendre visite hier. Oh, je devrais peut-être voir en toi un suspect. Tu l'as questionné à propos de quoi ? Deux agents spéciaux dont on a perdu la trace. D'accord, et en quoi ça concernerait ce meurtre ? Les pistes que j'ai eues m'ont conduit à Sedok. J'ai la preuve qu'il s'y trame de sales affaires. J'ai déniché Wong. Je l'ai interrogé sur l'entrepôt en question. Maintenant, il est mort. Je ne sais pas sur quel plan les deux choses sont liées, mais je me doute qu'elles doivent l'être. Admettons. C'est intéressant. Alors, où en es-tu ? Le capitaine du port a trouvé le corps. On l'a abattu d'une balle dans la nuque, un gros calibre à première vue. Pas de témoin, aucun signe de lutte. C'est tout ? C'est un début. Une idée sur le mobile ? C'est le vol, sans doute ? On lui a pris quoi ? Je n'ai pas encore eu le temps de te regarder, il faut déjà que j'aille sur le bateau. Je ne suis pas chaud pour la thèse du vol, je crois que ce gars-là n'était pas riche. Oui, il me semble aussi. Mais c'est fou ce qu'on peut tuer pour des broutilles, ou alors il avait peut-être une liasse de billets chez lui. Il est possible aussi que ce soit pour jouer un tour au FBI. Si seulement c'était amusant. Au fait, Wong était en relation avec des personnes assez peu fréquentables. Bon, et le capitaine du port, où est-il ? Il est allé prendre un café. Tu l'as interrogé ? Je vais le faire. C'est sur ma liste, après la visite du bateau. Cette fois, je crois qu'il est temps de faire un saut sur la grippa. Tu m'accompagnes ? Regarde-moi ça. Où mettait-il le poisson ? Quoi ? Où est-ce qu'il mettait sa pêche ? Il n'y a pas de frigo. Il n'y a même pas de glacière à bord. Où partait le poisson ? Apparemment, il y a d'importantes réserves de gazole à l'intérieur. Tu ne veux pas visiter la cabine ?
C'est quoi le Tarakan ? Quoi ? Le Tarakan, qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien, pourquoi ? J'ai trouvé un ciré dans la cabine, c'était marqué Tarakan. C'est peut-être le nom de son bateau ? Non, ce bateau s'appelle l'Agrippa. Bon, on dirait qu'il y a un autre mystère à ajouter à ta liste. Tu sais que Monsieur Wong prenait des calmants volés ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai trouvé une cachette de pilules dans sa cabine. Aucune boîte n'avait de vignettes, je suis sûr qu'elles sont volées, puis une pareille quantité. Très intéressant. En tout cas, ça donne un côté légèrement sordide à ce dossier. Alors, quelle est ta théorie ? Je pense que ce Wong n'était pas du tout ce qu'il semblait être et que ce bateau avait une autre fonction que la pêche, ce qui conduit à voir le meurtre de façon très différente. Terminé ! Wong a été bien sage, je l'emmène avec moi. Que le coroner me téléphone dès que c'est fini ! D'accord. La matinée est calme, ça devrait pas être trop long. Merci ! Ah, l'officier de port est revenu. Ah, bonjour. J'aurais dû penser que vous étiez deux. J'aurais apporté un autre café. C'est pas grave, l'agent Wilmore essaie justement de s'en passer. J'aurais quand même pu apporter un déca. L'agent Wilmore travaille au FBI. Voulez-vous lui dire ce qui s'est passé ? Oui. J'ai remarqué que le bateau de Wong n'avait pas pris la mer comme d'habitude. Je me suis dit qu'il avait eu... disons une digestion difficile. Alors j'ai voulu lui rendre visite, et je l'ai trouvé allongé là où vous l'avez vu. J'ai téléphoné à la police et je suis allé prendre un café. En général, où les poissons sont-ils stockés ? D'habitude, les bateaux ont ce qu'on appelle une sentine au fond de la cale. Ça permet à l'eau de circuler sur les poissons. Mais les plus grands bâtiments ont des compartiments réfrigérés. Vous savez pourquoi Wong n'avait pas de sentine ? Non, c'est peut-être qu'il n'avait pas les moyens de se payer ça. Ça aurait pu être dans une cale sèche, à vrai dire. C'est plutôt bizarre, en fait, j'en ai aucune idée. Il y a longtemps que le poisson se raréfie, ici ? Un bout de temps, oui. C'est la pêche excessive qui est à l'origine, mais ces deux derniers mois, ça a empiré terriblement. Presque tous les petits ont quitté le boulot. Wong est le seul qui ait pu tenir le coup. Enfin, était. Cet entrepôt est à qui ? À une société d'armement, la Majestic Shipping. Elle est d'Extrême-Orient. Vous avez son téléphone ? Oui, ça dépend où vous voulez les appeler. Ils ont des bureaux à Hong Kong ou en Tchétchénie. Lequel vous voulez ? Le numéro du siège ? Non, ces gens ne travaillent pas comme ça. Mais c'est d'accord, je vous donnerai toutes mes informations. Depuis quand vous connaissiez Wong ? 2 ou 3 ans. Il s'est installé ici en 94. Ouais, c'était en janvier. Hier soir, y a-t-il eu quelque chose qui vous est paru étrange ? Non, rien du tout. Nuit tranquille. Qu'est-ce que le Tarakan ? Un remorqueur de zone côtière. Il a brûlé en mer, ça fait 2 mois. Bien donc. Pourquoi Monsieur Wong avait-il un ciré qui venait du Tarakan dans sa cabine ? Ah, ça j'en sais rien. Il ne connaissait pas ces gars-là. C'étaient tous des Russes. Peut-être qu'après l'incendie, il l'a pris comme souvenir. Oui, je crois me le rappeler, on en a parlé. Tout le monde est mort, c'est ça ? Ouais. L'épave est encore dans le bassin de radeau, vous voulez voir ? Si on allait jeter un coup d'œil sur le Tarakan ? Bien sûr, ouais. Il est pas loin d'ici. Venez. D'accord. Seattle. Enfin, une vedette garde-côte, le Stalwart, a vu le feu à l'horizon et s'est dépêché de les rejoindre. Mais ils ne sont pas arrivés à temps, aucun membre de l'équipage n'a survécu. Combien d'hommes étaient à bord ? 9 au total. On n'a pu retrouver que 4 cadavres. Les autres sont supposés perdus en mer. Comment le feu s'est-il déclaré ? Cause indéterminée. Personne ne le sait. Regardez ça. Le feu semble n'avoir touché que l'extérieur de la coque. La cabine et l'intérieur n'ont pas brûlé du tout. Ouais, excellente remarque. Ils auraient été tués par un feu qui n'a brûlé que la coque. Et au fait, quel genre de feu peut brûler la coque d'abord ? Ça, je ne sais pas. Les enquêteurs, c'est vous. Est-ce que je peux vous laisser ? Je dois aller remplir plein de dossiers. Vous savez, quand il y a un cadavre, la paperasse s'accumule. Oui, allez-y. S'il y a autre chose, je vous téléphonerai, merci. Aucun problème. Bon, ravi de vous avoir vu. Je vous faxerai les numéros de téléphone. Je sais bien qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Quoi ? Je ne sais pas ce que c'est, je veux seulement te dire que je ne suis pas aussi aveugle que tu sembles le croire. Je ne sais pas de quoi tu veux parler.
T'as fini de faire l'innocent? Toutes tes questions sur l'entrepôt, sur le nom des locataires, c'est du blabla. Écoute, je ne sais pas de quoi il retourne, mais je ne tarderai pas à le savoir. Regarde ces traces, là, sur le côté de la cabine. Ça a quelque chose d'angoissant. Qu'est-ce qui a provoqué ça? J'en ai pas la moindre idée. Ça me rappelle des photos que j'ai vues sur Hiroshima. Comment ça? Eh bien, le souffle de la bombe avait tracé au sol les silhouettes des gens. Je ne sais pas pourquoi, c'est un souvenir vague, mais j'ai vu ces images quand j'étais petite. J'en ai eu des cauchemars longtemps après. Ça semble intéressant. On dirait du cyrillique. À Seattle, la police a un corps spécial pour la contrebande en provenance de l'ex-Union soviétique. Ils ont même un traducteur à plein temps, je lui ferai traduire. D'accord. Bon, ça a été facile. J'aurais juré que tu me ferais plus de difficultés. S'il est vrai que la police peut nous aider autant qu'on s'en serve. Bien, c'est tout à fait louable comme attitude. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. Eh, fais un peu attention. On se détend. C'est le genre de truc qui peut exploser. Et vu son poids, c'est une chose possible. Il faudrait peut-être le confier à un spécialiste. Allez, un peu de sang-froid. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu devrais te contenter d'un café par jour. C'est vide. Ah, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais ça devrait amuser les types du labo. Je pense qu'on a déjà effacé toutes les empreintes. Il me semble que la précédente enquête a manqué de rigueur. On n'a plus qu'à passer l'ensemble des lieux au peigne fin. Inspecteur, un appel du bureau du coroner, à l'instant. On a continué l'autopsie de M. Wang. Il y a du nouveau. Je crois que nous allons filer chez le coroner. J'ai hâte de savoir. Allons-y. Voici l'agent Wilmore du FBI. Il a interrogé Wang hier. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Que savez-vous ? Il s'agit là de l'autopsie la plus étrange que j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer. Cet homme est mort d'un seul coup de feu tiré à l'arrière de la tête, avec une arme de gros calibre. D'autre part, c'était un consommateur de drogue. Il semble qu'à l'heure de sa mort, il était drogué. Ça expliquerait qu'il n'ait pas lutté. Mais s'il n'avait pas été tué par la drogue ou un coup de feu, il serait mort en quelques semaines de toute façon. Oh, Seigneur. Pourquoi ? Il était complètement dévoré par d'énormes tumeurs. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et qu'est-ce qui peut provoquer ça ? Aucune idée. Je n'ai jamais vu un être humain qui soit aussi envahi par le cancer. J'ai horreur de venir ici. Vous savez, moi aussi. Quel genre de cancer ? C'est là que les choses se compliquent. Vous voyez là trois différentes sortes de cancers. Je ne serais pas étonné qu'on en découvre d'autres. C'est comme si tout son système immunitaire endocrinien s'était soudain détraqué. Y a-t-il un nom pour cette chose ? Bizarre. Non, je veux dire, y a-t-il un syndrome, une sorte d'explication? Non, ou en tout cas, je n'en connais pas. Est-ce que c'est la balle? Oui, en effet. Je veux la faire analyser. Je pense que c'est possible. Quelle est l'origine d'un tel cancer? Aucune idée. En dehors du fait que ce n'est pas ma spécialité, j'ai du mal à imaginer l'origine d'un pareil ravage. Une exposition prolongée à des radiations ou des produits cancérigènes? Ou à certaines substances radioactives, ça peut être aussi le fait de produits chimiques, dits mutagènes, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Il était malade depuis longtemps ? Les tumeurs ne sont pas prévisibles. Pour qu'une excroissance atteigne cette taille, il a fallu beaucoup de temps et surtout une immense souffrance. Ce qui peut expliquer l'usage de la drogue. Même avec la drogue, un tel état aurait été pratiquement impossible à supporter. Ou bien il aurait fallu des doses tellement fortes que ça l'aurait transformé en zombie. Étrange. Quel rapport avec le Tarakan ? Je me posais la même question. Le Tarakan, je me souviens de ça. Vous êtes le deuxième agent à m'en parler cette semaine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En réalité, pour être précis, vous êtes le troisième agent, car ils sont venus à deux l'autre jour, un homme et une femme. Ce sont bien les agents dont je vous ai parlé. Ils ont demandé que les corps de l'équipage du Tarakan soient exhumés. Elle a insisté pour qu'on pratique une seconde autopsie. Comment s'appelait-il ? Désolé. Souvent les noms, je les oublie. J'en entends tellement. C'était Mulder et Scully, n'est-ce pas ? Oui. Diana Scully et Wolf Mulder, c'est ça. Elle a trouvé quoi ? Aucune idée. Les corps sont toujours là, vous pouvez les voir. Quels étaient les résultats de la première autopsie ?
Ils sont morts de graves brûlures. On veut les voir. D'accord. Vous avez l'estomac bien accroché, j'espère? J'ai horreur de venir ici. Je préfère vous prévenir, ce ne sera pas une partie de plaisir. Ces types ont été enterrés pendant 2 mois. Vous vous sentez bien? Comme un charme, merci. Est-ce qu'on peut en finir à présent? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver? Apparemment, quelqu'un a pris les cadavres du Tarakan. Restez ici, je vais tâcher d'y voir plus clair. Dès que je le peux, je vous tiens au courant. Dans quelle affaire est-on allé se fourrer? J'ai une explication. D'accord, dis-moi, je t'écoute. Eh bien... Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois savoir ce qui se passe ici. Non, attends, j'espère me tromper. Quoi? Ils transportaient des marchandises en contrebande, on le sait. Wang travaillait pour les mêmes personnes que l'équipage du Tarakan. Ça peut expliquer le ciré, l'absence d'équipement de pêche. Donc, ils travaillaient pour les mêmes personnes. Tu as parlé à Wang, ils l'ont tué de peur qu'il te révèle quelque chose. Les deux disparus ont retrouvé les cadavres du Tarakan et peu après, les uns et les autres se sont transformés en courant d'air. Nous avons mis la main sur des trafiquants qui importent en fraude, soit des matières radioactives, soit peut-être bien des armements chimiques. Ils fournissent notre pays à partir de l'ex-URSS. Cela explique le feu sur le Tarakan, le cancer de Wang et pourquoi on l'a tué, et aussi la disparition de vos deux agents. Ils savaient beaucoup trop de choses. On avait découvert leur présence et l'enjeu valait la peine d'éliminer 2 agents fédéraux. À nous deux, on va éclaircir ça. Il faut arrêter ce trafic. Si j'ai raison, des milliers de gens risquent de mourir. J'ai l'intention de demander qu'on mette au moins une autre personne avec nous. Très bien. Choisis ton collaborateur. Qu'est-ce que vous faites? Non, mon vieux, qu'est-ce que vous faites? Vous étiez censé me tenir au courant de votre affaire. Ai-je été informé? Non, j'ai été tenu complètement à l'écart. Ne jamais agir seul est le premier des principes, s'il vous arrivait quelque chose. Que deviendrait votre enquête, hein? C'est la vie de 2 agents qui est en jeu. Pensez à ça au lieu de penser à la façon de marquer des points avec Skinner. Nous devons faire preuve de la plus grande prudence. Ils sont capables de s'en prendre à nous ensuite. Tenez-moi au courant, car plus j'en saurai, mieux je ferai mon job. Je vous ai tenu informé. J'avoue mon étonnement à la vue de votre email. Je pensais que vous aviez fait des progrès. Donc je ne vous ai pas tout à fait laissé à l'écart, hein? Je vous accorde ce point. J'ai poussé le bouchon un peu loin. J'ai été suivi par 2 types dans une voiture. Je ne sais pas qui ils sont ni pour qui ils travaillent, mais ce sont des gars du gouvernement. Ça sent le roussi. Mulder et Scully ont demandé qu'on exhume des corps pour une autopsie et ils ont été volés à la morgue. Wong a été complètement dévoré par le cancer. Tout indique qu'il y a un trafic clandestin de matériaux radioactifs qui arrive jusqu'à Seattle en provenance de la Russie. Sans doute Mulder et Scully l'avaient découvert. Alors qui étaient les costards dans la voiture? J'en sais rien, je ne l'ai pas encore résolu. Je pense que Mulder et Scully ont découvert une affaire de corruption qui compromet de hautes instances du bureau. Vous avez peut-être raison. C'est parfaitement logique. Des trafiquants très puissants ont payé des agents fédéraux pour qu'ils détournent les yeux. Mulder et Scully sont tombés là-dessus et ils ont été éradiqués. Pourquoi a-t-on trouvé vos empreintes sur le Tarakan? Quoi? Le Tarakan. C'est un remorqueur qui a brûlé. Je sais ce que c'est, mais qu'est-ce que vous racontez? J'essaie de comprendre comment vos empreintes sont arrivées sur un bateau qui est impliqué dans 10 morts et 2 disparitions sans que vous en ayez apparemment entendu parler. Écoutez, on m'a chargé d'enquêter sur cet incendie il y a 2 mois quand ça s'est produit. Et je n'ai rien découvert. Ça m'a pris environ 2 heures, c'est tout. Pourquoi j'en ai rien su? Vous étiez peut-être aux toilettes? J'en ai jamais parlé parce que cette histoire me semblait hors sujet. J'ai fait mon rapport à Shang en laissant ça de côté. Il est possible que j'ai laissé une empreinte, mais c'est ma seule erreur. 1 minute. C'est peut-être pour ça que je suis filé. J'ai accusé l'équipage de contrebande et c'est ce que mon rapport disait. S'ils ont lu mon rapport... Et si quelqu'un du bureau est impliqué, alors tout devient parfaitement clair.
Il y a un réseau de trafiquants très puissants, qui corrompent des agents fédéraux, peut-être même au FBI, non seulement pour détourner les yeux, mais en plus pour leur prêter assistance. Par exemple, en suivant des agents qui s'approchent un peu trop de la vérité. Seigneur, comment savoir qui tire les ficelles en haut? Bon, écoutez. On ne doit prendre aucun risque. Vous devez me tenir informé. Je veux que vous ne parliez à personne d'autre que moi jusqu'à ce qu'on ait découvert ce qui se cache là-dessous. Je pars avant que ma voiture ne soit repérée. D'accord, je retourne surveiller. À l'entrepôt? Faites attention. Voilà, j'arrive. Est-ce qu'il y a du nouveau? Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai bossé tard hier soir, et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça va. Quelle heure est-il? Presque midi. Encore un mort par brûlure. Les lésions visibles ressemblent étrangement à celles de l'équipage du Tarakan. J'ai tout ça sur cassette vidéo. Il faut la rembobiner. Oh, ça, au moins, c'est du matériel. Impressionnant. J'aime les hommes qui n'ont pas peur de la technologie. Qui est la victime? Un Kidam, un chauffeur de poids lourd pour Gordon's Hauling à Charno. Mais d'où vient cette cassette? De la caméra de surveillance de la station-service. Elle n'est pas très nette, mais on y distingue la... la chose. Quelle chose? Oh, tu vas voir. C'est arrivé à quelle heure? À 6h17 ce matin. On dirait la voiture louée par Mulder. Même marque. Et on dirait Mulder. Tu l'as déjà vu? Non, juste des photos. Ce type était à l'entrepôt hier soir. Un autre camion. De la même société, Gordon Sowling. Charno, État de Washington. Alors, qu'en penses-tu? On aurait dit que cette lumière émanait de son corps. C'est vrai, non? Alors, comment tu l'expliques? D'après toi, c'était quoi? Je n'en ai aucune idée, mais ces lésions étaient identiques à celles de l'équipage du Tarakan, et tout l'outillage électronique des stations-service est tombé en panne. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quel est le lien avec Gordon Sowling? Tu veux dire pourquoi y avait-il un camion Gordon Sowling à la fois ici et à l'entrepôt? Ouais. Pour cause de contrebande? Où est le camion? Il est entièrement vide, j'ai envoyé une équipe qui doit le garder. Qu'est-ce que le Tarakan a à voir avec tout ça? Il est évident qu'ils font partie des trafiquants, ou ils se sont brûlés eux-mêmes en manipulant le plutonium, ou alors ils se sont fait tuer. On dirait que tu reçois un fax. Je vais retourner chez Truth immédiatement pour voir ce qu'elle a découvert en examinant le corps. Oh, j'ai fait traduire le document en cyrillique. Tu sais ce que c'est? C'est un bulletin de salaire. Et tu sais à qui il était? Wang. Il a reçu presque 30 000 dollars au cours des deux derniers mois. Et je suis convaincue que le meurtre est un règlement de compte. Suite à ton interrogatoire, il a peut-être été tué à cause de toi. J'ai mis la commission d'enquête au courant. C'est clair, ils font de la contrebande de plutonium. Nous devons les en empêcher. Sinon, il y aura des victimes. Allez, cow-boy, à cheval, on perd du temps. Et où est-ce que nous allons? Au bureau du coroner, pour avoir le rapport d'autopsie concernant les victimes brûlées.
J'ai horreur de venir ici. Tout ce que je sais, c'est que cet homme n'est pas mort suite à des brûlures ordinaires. Il semble avoir subi un rayonnement du même ordre que les victimes de la bombe à Hiroshima. Pourquoi pensez-vous à des radiations ? D'abord, c'est vrai que ce n'est pas ma spécialité, mais il a été brûlé des pieds à la tête. Intégralement. Le feu ne fait jamais ce genre de choses. Ensuite, quand je lui ai retiré ses vêtements, ils étaient très peu endommagés. Regardez. Ça, c'est l'empreinte du logo de sa chemise. Un rayonnement thermique en est la cause. Des effets similaires ont été observés à Hiroshima. La peau des victimes portait la trace de leur kimono. Les ombres inversées de certains objets furent gravées pour l'éternité dans les murs. Y a-t-il des similitudes entre ceux-ci et les autres victimes ? Les effets sont presque identiques. On n'a pas fait le rapprochement avec le Tarakan parce que ça ne nous est pas venu à l'idée. Je veux dire que ce genre de choses est très rare, vous savez. Parfois, l'extraordinaire nous échappe même quand il est sous nos yeux simplement parce qu'on ne s'attend pas à le voir. Vous avez une idée sur les marins du Tarakan ? Non. L'opération a été bien menée. Ils sont entrés et se sont emparés de tous les corps, sans laisser aucune trace. Une manipulation de matière radioactive cause-t-elle des brûlures de ce genre ? Pas autant que je sache, mais je ne suis pas une spécialiste. Une maladresse dans la manipulation de ces matières peut être à l'origine des tumeurs de M. Wang, mais des brûlures de ce genre sont causées par une explosion. La sécurité ne semble pas les préoccuper beaucoup. T'as raison, il y a pourtant un joli tas de marchandises. C'est le même camion qu'il y avait aux entrepôts. Il est évident qu'on est au bon endroit. Le désert. On y va ? Ça va ? Rien de cassé ? Ça va, oui. Je viens de trouver ce qu'on cherche. Qu'est-ce que c'est ? Regarde ça. C'est un manifeste. Il recense le nombre de chargements partis de ces entrepôts sur la route 1121 vers le comté de Fante, dans l'état de Washington. Alors, je crois qu'on sait où se diriger. Apparemment, on n'est pas venu pour rien. Bien, allons-y tout de suite. Ouais. On est enfermé. Bon sang, il y a une bombe ici. Il faut se dépêcher de sortir, vite. J'aimerais bien griller une si je fumais encore. Tu te sens bien ? Ah oui, ce genre de choses est un excellent exercice. Si tu veux, je peux prendre le volant. Oh, quel bon geste, quelle générosité ! Je n'avais encore jamais touché à une bombe. Oh, moi ça m'arrive tout le temps. Ce type, c'était qui ? Il avait une force fabuleuse ? Ouais, j'ai eu cette impression. Tu crois qu'il fait du judo ? Ses yeux avaient une lueur bizarre, rien ne t'a étonné ? Non, le traitement qu'il m'a infligé a dû me faire rater quelques détails. Qui dirige Gordon Sowling ? Des Russes, de la mafia. En réalité, c'est des Géorgiens. Des Géorgiens ? Tu te souviens que tout l'équipage du Tarakan était aussi géorgien ? Alors, ça y est, on y va. C'est quand tu veux. N'oublie pas que tu conduis. Très bien. Bonjour, j'ai du nouveau.
De quoi s'agit-il ? Je vais vous le dire de quoi il s'agit. J'ai fait avancer votre affaire. Mais de quoi vous parlez ? De Evgeny Smolnikov, chef d'un réseau géorgien de contrebandiers. Et j'ai un témoin qui assure l'avoir vu sur les docks la nuit du meurtre de Wong. J'ai donné l'ordre de surveiller son petit nid d'amour et depuis ce matin, on a accumulé assez de preuves pour justifier une descente. On file en vitesse, la brigade d'intervention nous rejoindra. Pas besoin de me remercier. Et pour Astadorian ? Il faudrait la tenir au courant ? C'est fait, je lui ai laissé un message. Je n'ai pas l'habitude de laisser mes collègues sur la touche. Vous avez un mandat ? Pour qui vous me prenez ? Pour un amateur ? Oui, j'ai un mandat fédéral délivré par un juge fédéral. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? J'allais le faire, mais le témoignage date seulement de ce matin et l'affaire est très récente. D'ailleurs, vous n'étiez pas facile à joindre hier autant que je me souvienne. Le témoin ? Quel témoin ? Celui qui a identifié Smolnikov. Ah oui, Fred Kohler, 56 ans, sans logis. Il paraît qu'il dormait sous un filet à 50 mètres à peine du lieu du crime. Il a tout vu et tout entendu. J'aimerais voir cet homme. Bien sûr. Quand vous voudrez, après la descente, il sera à vous. Allons-y. Je ne vois pas les renforts. Les gars de la brigade d'intervention sont en route. On devrait attendre. Non, il faut en finir avec ça. La surveillance a signalé que Smolnikov était tout seul. Vous disiez ? Après vous. Couvrez-moi. 5 sur 5. Bougez pas, FBI! Policierskaya. Pas un geste. Я подал и не могу стоять. Cook, descendez me rejoindre, je le tiens. Je suis là, je suis là. Où étiez-vous? Je contrôlais le premier étage. Alors, monsieur Smolnikov, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous là? Je n'ai rien fait du tout. De quel droit vous faites irruption chez les gens? Ici, ce n'est pas la Russie. Taisez-vous, vous êtes en état d'arrestation. Je vais lui lire ses droits, fouiller toute la pièce. En bas, j'ai vu traîner un 906 près de la fenêtre de gauche. C'était bien ça, un 906. Oui. Je suis persuadé que c'est l'arme qui a tué Wong et blessé Scully. Il faudrait l'envoyer à nos experts. Il n'est pas à moi. Ouais, ouais. Regardez ça. Un carnet de bulletins de salaire pareil à celui qu'il y avait sur le Tarakan. Vous avez tout intérêt à coopérer, monsieur Smolnikov. Pourquoi avoir tué Wong ? Parce qu'on l'a rencontré ? Qu'avez-vous à cacher ? Non, je ne l'ai pas tué. Je le connaissais bien. Il a peut-être travaillé pour moi. Mais je ne l'ai pas tué. D'après le journal de bord du Tarakan, Wong travaillait pour vous. Tous les documents trouvés ici l'attestent. Sans doute. Ça ne prouve rien du tout. Dans cet entrepôt, il y avait quoi ? Que voulez-vous dire ? Vous y êtes dans mon entrepôt. Mais enfin, mon entrepôt est ici ! C'est absurde ce que vous dites ! Qu'est-ce que vous voulez ? Nous voulons que vous nous disiez la vérité. Allez, on l'embarque, on le fera boucler en ville, debout. On poursuivra l'interrogatoire une fois qu'on sera au poste. Et on demandera à la police locale de surveiller l'entrepôt. En avant. Mais qu'est-ce que t'as en tête ? À propos de quoi ? De ta petite descente chez les contrebandiers. C'est une affaire que j'avais convitée spéciale et vous, vous débarquez, vous foutez la merde sans même vous soucier de nous passer un coup de fil. Je te croyais informé de tout. Et qui est-ce qui m'aurait informé de ça ? Cook t'a téléphoné. Tu sais bien que non. Si, il t'a dit qu'il appelait le groupe d'intervention en renfort, seulement ils ne sont pas venus. Alors, tu décroches ? Non, le répondeur le fera pour moi. Agent Wilmore, nous devons nous rencontrer immédiatement. Vos actions mettent en danger la vie des agents Mulder et Scully. Ils sont vivants, mais ne le seront plus très longtemps, à moins que vous n'agissiez très vite. Ça n'a rien à voir avec les contrebandiers russes. Rendez-vous à Sandpoint, hangar numéro 4, à l'aube.
Venez seul, sinon je ne me montrerai pas. Calme-toi un peu. Smolnikov est en tôle, c'est ça l'important. Il y a des données que je ne maîtrise pas. Je me doute qu'il est capital de servir des intérêts ténébreux. Mais tu veux que je te dise, j'en ai rien à faire. Je suis venu pour te dire une seule chose. Smolnikov vient d'être relâché pour absence de preuves. Ah. Agent Wilmore, nous devons nous rencontrer immédiatement. Vos actions mettent en danger la vie des agents Mulder et Scully. Ils sont vivants, mais ne le seront plus très longtemps, à moins que vous n'agissiez très vite. Ça n'a rien à voir avec les contrebandiers russes. Rendez-vous à Sandpoint, hangar numéro 4, à l'aube. Venez seul, sinon je ne me montrerai pas. Agent Wilmore, je suis content de voir que vous avez suivi mon conseil et que vous êtes venu seul. Peut-être êtes-vous moins inepte que je ne le pensais. Nous avons très peu de temps, je vous demande donc de m'écouter attentivement. Le plus important, c'est que il est hors de question que vous disiez à qui que ce soit que nous nous sommes vus, à personne du bureau. Ni à Cook, ni à Shanks, ni à ce lieutenant de police de Seattle avec qui vous avez fait équipe. Est-ce que vous m'avez bien compris ? J'attends votre parole d'honneur, agent Wilmore. Sinon, je ne vous aide pas. Je ne peux rien promettre tant que je ne sais pas qui vous êtes. Aucune importance qui je suis. J'attends votre parole, agent Wilmore. Vous avez ma parole. D'accord. Écoutez très attentivement ce que je vais vous dire. Des vies sont en jeu ici. Y compris la vôtre. Mulder et Scully sont toujours en vie. Que vous dites ? Mais ils ne le seront plus pour longtemps si vous ne faites pas quelque chose pour eux. Scully et Mulder sont dans des lieux différents. Vous devez retrouver l'inconnue qui a été admise dans l'hôpital presbytérien de Gold Bar il y a 3 jours. Elle est sur le point d'en sortir. Ceci n'a rien à voir, je répète, absolument rien à voir avec la contrebande de plutonium soviétique. Que savez-vous sur Mulder et Scully ? Si vous comptez venir en aide à Scully et Mulder, vous aurez besoin d'autre chose que d'une arme à feu. Des hommes sont morts afin de posséder ceci. J'ai pensé que je pourrais vous le prêter un certain temps. Parce que sans lui, vous n'avez aucune chance de survivre. L'homme que Mulder et Scully recherchaient et celui que vous devez trouver pour avoir une chance de les sauver ne sera tué que par celui qui pourra enfoncer ce poinçon à la base de son cou. Je connais cet homme ? L'apparence de cet homme est trompeuse. Si la blessure n'est pas précise, c'est lui qui vous tuera. N'essayez pas de le tuer avec une arme. N'essayez pas de le tuer avec quoi que ce soit, excepté en vous servant de ça. Si jamais quelqu'un découvre que vous l'avez, vous êtes mort. N'oubliez pas la femme de Gold Bar. Oh ! Arrête ton cirque, c'est moi. Oui, je t'ai reconnu. Ça te met de mauvaise humeur, le surmenage. Fais attention. Pourquoi tu viens ici ? Quand j'ai entendu le message, je n'ai pas voulu manquer l'événement. Il faut que tu fasses bien attention si tu ne veux pas te faire avoir. Je ne suis pas vraiment contre, il paraissait mignon. Mignon ? Précieux m'a l'air plus juste. Bon, on a parlé de beaucoup de choses, il me semble. Je pense aussi. Mais en premier lieu du quidam de Goldbar. Bonjour. Pourquoi venez-vous ici ? Nous cherchons une inconnue.
Pourrais-je avoir une pièce d'identité ? Oui, bien sûr. Vous saviez qu'on était des flics. Qui d'autre demanderait à voir une inconnue ? Bonne réponse. Mais qu'est-ce que vous lui voulez ? Nous voulons vérifier qu'elle va bien. Oui, bien sûr. Comment s'appelle-t-elle ? Je n'en sais rien. Sa chambre est juste derrière moi. D'autres personnes sont venues la voir ? Oh, Dieu merci, vous êtes les premiers. Elle est arrivée comment ? On l'a amenée. Qui ça ? Un des membres du personnel occupe l'emploi de détective. Nous avons des principes très différents de tous les centres médicaux habituels. Nous sommes fiers de cette liberté qui permet de nouer avec nos patients des rapports qui se révèlent salutaires. Est-ce qu'elle pourrait sortir ? Oh, je vous le déconseille. Le fait de partir ne menacerait pas ses jours, mais ça me surprendrait qu'elle apprécie. Sa blessure va mieux ? Elle est en voie de guérison. C'était vraiment superficiel. Quant à ses autres affections, il m'est très difficile de les expliquer. Qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Je n'ai pas encore pu le diagnostiquer, j'ai seulement traité les symptômes. Léthargie, nausée, extrême nonchalance, déshydratation, perte de mémoire. Dana Scully. Que cherchez-vous ? Qui êtes-vous ? Nous sommes à votre recherche sur ordre de M. Skinner. J'ignorais que j'étais perdue. Qui êtes-vous ? Je suis du FBI. Pardonnez-moi, mais je dois être vigilante. Vous vous méfiez ? Puis-je voir votre carte ? Je ne sais pas si je dois me fier à vous. Qui vous a dit où j'étais ? Nous ignorons son nom. Un de vos amis. Soyez plus précis. Cet homme m'a donné ça. D'accord. Il m'a dit de ne parler de ça à personne. Je vous écoute. Vous vous sentez comment ? Ça va pas très fort, mais à vrai dire, ça va déjà bien mieux que quand je me suis réveillée. Vous ne sauriez pas où Mulder se trouve ? Je n'en ai aucune idée, mais il faut le trouver très vite. Que s'est-il passé dans l'entrepôt ? Nous avons remarqué des mouvements d'entrée et de sortie suspects dans cet entrepôt. Nous sommes allés voir ce que c'était. On s'est fait attaquer par un grand nombre d'hommes armés. J'ai reçu une balle. J'ai vu une lueur étrange. Mulder m'a emmené à l'extérieur et j'ai perdu connaissance et me suis réveillée ici. À quoi sert cet objet ? Vous devriez éviter de trop le montrer. Je ne sais pas à quoi il sert, mais peut-être que Mulder vous le dirait. Quelle fonction le Tarakan tenait-il là-dedans ? En premier lieu, ce navire a servi à de la contrebande, ça à coup sûr, c'est un fait. Je crois qu'il a subi un accident alors qu'il transportait du plutonium. Et Mulder dit que les gens se sont fait tuer par une EBE. Une EBE ? Ça veut dire entité biologique extraterrestre. Que vous a appris l'autopsie des hommes du Tarakan ? Ils ont tous subi une exposition à un niveau de radiation équivalent à celui d'Hiroshima. Il est sûr qu'il n'y a eu aucune bombe, mais Mulder y a vu la preuve qu'un ovni aurait atterri dans les environs. Et que des extraterrestres à bord de cet appareil avaient irradié le Tarakan et son équipage. On dirait que cette idée vous laisse sceptique. Il y a toujours une autre explication. Eh bien... D'autres personnes ont subi les mêmes brûlures. Cela veut-il dire que ce plutonium a été transporté ? L'une de ces victimes n'est pas identifiée, mais on l'a vu là où il y avait les traces de feu et ensuite sur le chantier naval. Nous savons qu'entre l'entrepôt et le chantier naval, il y a un lien. C'est une entreprise de camionnage de Tcharno, Gordon's Hauling. De nombreux va-et-vient ont été effectués entre le hangar des docks et une route secondaire que nous ne sommes pas encore allés inspecter. Nous avons besoin de trouver l'identité de l'homme qui travaille au chantier naval, et il serait bien que vous retourniez vers la route 1121. Que comptez-vous faire ? Je vais tout d'abord me mettre en contact avec le directeur adjoint Skinner, ensuite je vais quitter cet hôpital, et après je vous rejoindrai tous les deux dans nos bureaux, mais je crois qu'il va falloir faire vite. L'agent Mulder n'a peut-être plus beaucoup de temps devant lui, si jamais les trafiquants l'ont pris en otage, ça m'étonnerait qu'il s'encombre indéfiniment. J'avoue que ta méthode a été efficace. Je suis impressionnée. La technologie ne me fait pas peur. Au fait, qu'est-ce qu'on est venu chercher ? Un morceau de tôle d'une Dodge de 1964. Comportant les chiffres 82434, c'est ça ? Oui, c'est ça. On dirait qu'on nous a ouvert la voie. J'ai peur qu'on ne soit pas au bon endroit. J'en sais rien. Nous avons déjà la route, c'est au moins ça. Peut-être que 8, 2, 4, 3, ça ne veut rien dire. Tu choisis l'hypothèse de Mulder et Scully ?
L'agent Scully est une femme extrêmement rationnelle. Je serais toutefois ravie d'entendre un collègue aux idées un peu plus audacieuses. J'aimerais beaucoup parler avec l'agent Mulder. À quoi cet endroit peut-il servir? Tu veux rire, j'en reviens pas de l'ampleur de cette affaire. Penser que du plutonium traverse notre pays sur des voies ferrées est totalement terrifiant. Et sans mesure de sécurité particulière? Ouais. C'est abandonné tout ça. Ces wagons ne roulent plus depuis des années. Ça a brûlé ici. Hey! Hey! Hey, j'ai rien fait! On n'a pas dit le contraire, on veut juste parler avec vous. Le feu a pris dans un wagon, vous savez comment c'est arrivé? Eh bien sûr, j'ai vu les incendiaires. De quoi avait-il l'air? Deux mecs insipides en costume miteux. Deux types, ils sont venus voir le wagon hier et ils ont fichu le feu. Dans mon propre jardin, vous pouvez le croire? C'était une information. J'ai trouvé une bricole. Elle était dans le wagon, ça vous intéresse? À quoi ça ressemble? Quoi, ma bricole? Oui, votre bricole. À vous de me le dire, à quoi cette bricole ressemble? Un magnéto. C'est bien joué, vous êtes sur la voie, quelle sorte? Un appareil? Vous chauffez, on s'en sert des fois avec un appareil. Donnez-moi un indice. Ok, vous êtes beau joueur. Donc, on ne peut pas attacher un paquet avec cette cassette. Une cassette vidéo? C'est exact, nous avons un gagnant pour la cassette vidéo. Félicitations. Encore bravo, je me suis très bien amusé. Merci. $10. Vous faites une bonne affaire. Merci. Mets-la. Qu'est-ce qui se passe? Mark Cook, Marie Astadorian, Marie Astadorian, Mark Cook. Enchanté. Quelqu'un nous cache quelque chose, c'est évident. Qu'est-ce que ces expériences médicales clandestines ont à voir avec des contrebandiers russes? Et qu'est-ce que ce chirurgien pouvait chercher à Gordon Sowling? Enfin, à quoi pouvaient bien servir ces expériences? J'en sais rien. En tout cas, le patient n'avait pas l'air humain. Est-ce qu'il y a un moyen d'identifier le docteur? Oui, en fait, il suffirait de prendre une image vidéo et de la confronter à la base de données. C'est sûrement faisable. Alors dans ce cas, faisons-le. Bingo. Alors, voyons ce que ça donne. Jonathan Roche. C'est bien lui. Ah, un militaire, hein? Ouais, il y a des chances. Et qu'est-ce que c'est? Quelqu'un essaie d'établir une liaison de vidéoconférence. Ah, oh, quel idiot. J'aurais dû apprendre à me servir de ça plus tôt. Agent Wilmore? Ouais. Ah, on est sur le bon site. Qui êtes-vous? Des amis de l'agent Scully. Certains parmi nous sont plus que des amis. Elle nous a demandé de vous contacter. D'où vous tenez cette adresse? On a supposé que votre disque dur cachait le mot de passe qui donne accès au système. Tous les ordinateurs de ce type permettent la vidéoconférence même si presque personne ne s'en sert. Ensuite, on a cherché l'adresse de votre opérateur qui affiche une liste exhaustive de ses abonnés avec leur numéro d'abonnement et le protocole du serveur. Pas plus difficile que ça. Vous voulez le numéro de Madonna? Non, je m'en passerai, merci. Vous êtes sûr? Son ordinateur est pas loin de son lit. Qu'est-ce que vous voulez? L'agent Scully nous a transmis des informations au sujet de l'enquête que vous menez. D'après ce que nous a dit cette chère Dana, nous pensons qu'il y a une installation ultra-secrète en Alaska qui est impliquée. Qu'est-ce qui se passe maintenant en Alaska?
Cette installation semble être la véritable plaque tournante de cette affaire. C'est une sorte de dépôt de wagon. Si nous voyons juste, Mulder court un très grand danger. Cette installation date du début des années 60. Nous pensons qu'ils ont choisi l'Alaska pour profiter des aurores boréales pour cacher le trafic d'ovnis qui a lieu dans la base. Nous croyons aussi qu'un vaisseau extraterrestre retrouvé dans le Pacifique est caché là. Quel dépôt de wagon? Ah, voilà une question dont la réponse vaut son pesant d'or. Le gouvernement dispose d'un vaste réseau d'autorails qui peuvent servir soit d'unités mobiles chirurgicales, soit de chambres d'autopsie, soit de lieux de quarantaine. Et ces wagons ont en fait une double utilité. D'une part, ils permettent au gouvernement de transporter rapidement des entités biologiques et ils peuvent servir de base mobile d'opération pour une série d'expériences génétiques. Où est Mulder? On n'est sûr de rien, mais connaissant Mulder, il a sûrement suivi la piste qui conduit à cette installation. Il s'agit de quelle sorte d'expérience? De la pollinisation croisée de l'espèce humaine, c'est-à-dire du croisement de l'ADN humain avec un matériel génétique extraterrestre. J'en crois pas mes oreilles. J'ai l'impression de me retrouver dans l'île du docteur Moreau. Scully a mentionné un certain individu qui serait impliqué là-dedans. Vous avez pu déterminer son identité? C'est un chirurgien de la marine, Jonathan Rauch. Et où est-il en poste? Eisenhower Field, Alaska. Ah oui, c'est bien lui. Ah. Il a servi 2 ans à Perky en Virginie, c'est ça? Oui. Ah, y a aucun doute. Écoutez, vous devriez aller là-bas. Mulder n'a peut-être plus beaucoup de temps. Allez d'abord chez Sir Rauch, ensuite à la base secrète. D'accord, comment va-t-on à la base? Est-ce que vous avez un laissez-passer? Ouais. Bien, je vous envoie par email les coordonnées de la base. Il y a un fax. Un garde frontière canadien a été trouvé mort ce matin par suite de brûlures inexplicables et profondes. Et la voiture de location de Mulder a été vue traversant la frontière canadienne vers l'Alaska. Non, c'est pas vrai. Le sort en est jeté. Oui, j'en ai bien peur. Il faut que vous alliez là-bas dès que possible. Je viens de télécharger le programme. Bon, si on veut sauver Mulder, on a intérêt à faire vite. Pour aller voir ce Rauch, je vous conseille de prendre un charter plutôt qu'un vol régulier. Je vais rester ici pour veiller au grain. Contactez le bureau de Juno et demandez des renforts. Vous pouvez vous occuper de son billet d'avion? Bien sûr, pas de problème. Ok, allons-y. Tu veux côté fenêtre ou côté couloir? Tu devrais peut-être venir avec moi. Non, je crois pas. Pourquoi? Ça te concerne aussi? Oui, mais l'Alaska est en dehors de ma juridiction. Et puis, je dois faire un sérieux travail d'enquête. Sois prudent. C'est promis. Qui êtes-vous? Je vous connais. Je suis le câbleur. Vous allez bien? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai les pieds tout engourdis. Agent Wilmore, FBI. Je vous prenais pour un fantôme. Il y a un bout de temps que je vous cherche. Eh bien, vous m'avez trouvé. J'ai parlé avec Scully. Comment va-t-elle? Elle se remet. Elle est sortie de l'hôpital. C'est un sana, je l'ai déposé après le coup de feu qu'elle a reçu dans l'entrepôt. Avant, j'ai téléphoné à Seattle pour qu'on m'envoie du renfort et tout ce que j'ai vu venir, c'est des nettoyeurs de la NSA. Vous aviez eu qui? J'étais trop pressé pour demander, on allait partir. Je n'ai dit à personne où j'avais emmené Scully. Visiblement, j'avais intérêt à rester méfiant. Comment êtes-vous venu ici? Ah, oh, je m'a kidnappé quand j'allais voir une gare de triage et il m'a volé ma voiture. J'ai toujours eu envie de visiter le nord de la côte pacifique, mais hélas, on ne voit pas grand-chose du fond d'un coffre. Est-ce que, par hasard, votre gare de triage n'est pas près de la route 1121? Gagné. L'armée y fait certains exercices. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Rauch est au rez-de-chaussée. Vous êtes sérieux? Il n'a pas mis le feu? Je vous demande pardon. De rien, mais dans quel état est-il? Inconscient, il était recouvert d'une couche d'huile. Oh, Rauch, ce type a toujours une chance insolente. Pourquoi Rauch vous a enlevé?
C'est un médecin de la Navy que les extraterrestres tiennent en leur pouvoir. L'extraterrestre qui le contrôle, ou du moins qui le contrôlait, s'est crashé dans l'océan il y a près de 2 mois. Vous disiez qu'un extraterrestre contrôlait cet homme ? Il y a des espèces d'extraterrestres qui peuvent habiter notre corps. En le parasitant, ils parviennent à s'emparer d'un être humain et même à acquérir les connaissances qu'il avait accumulées. Le seul moyen de savoir ce qu'il en est, c'est la présence d'une pellicule d'huile noire qui voile les yeux de cette personne. L'équipage du Tarakan a rencontré une de ces créatures, sans doute du type Valdez, qui les a bousillées instantanément. Le gouvernement a pu s'en emparer et la mettre dans un fourgon, mais une négligence lui a permis de s'échapper. En effet, Raosh a un étrange voile noir devant les yeux. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas tenté de vous tuer. Je suis presque sûr que la créature veut revenir sur le bateau. C'est pour ça qu'elle s'est servie de Raosh, mais je ne sais pas du tout où le bateau a pu partir. Oui ? Agent Wilmore, c'est Dana Scully. Où êtes-vous ? À Juneau, en Alaska. Vous avez trouvé Mulder ? Oui, il est là. Dieu soit loué, passez-le-moi. C'est Scully. Scully, où es-tu ? Je viens de partir pour Juneau. Quel est ton agent de voyage ? Byers, Froick et Langley. Excellente compagnie. Tu as pris ton téléphone ? Oui. Parfait, je te rappelle. J'ai vu des hommes en noir devant la maison. Ils venaient d'en sortir. Il faut que nous les rattrapions en vitesse. Il est en lui. Essayons de deviner l'endroit où ils se sont rendus. Je le sais. Je connais un lieu secret qu'a équipé le gouvernement. J'ai pu me procurer une vidéoconférence. Ah, c'est une source qui est fiable en tout cas. Vous avez les amitiés de Froick. Vous êtes un excellent petit télégraphiste. Froick, Raosh, Scully. Vous connaissez Skinner ? C'est lui qui m'a envoyé. Ouais, c'est logique. Bon, alors allons-y. Tiens, il y a des gens qui se sont invités. La NSA ? Ou les témoins de Jéhovah. Soyez gentils de leur faire les politesses à ma place. Je vais rejoindre Scully pour aller voir les installations. Vous nous y retrouverez ensuite. Et une seconde. On m'a chargé de vous retrouver, vous et Scully. C'est fait. Je dois m'en aller. Voyons, qu'est-ce que c'est que ça ? Tout n'est pas encore fini. Ne partez pas sans vos émoluments. D'accord. Agent Wilmore, nous sommes de l'Agence de sécurité nationale. Nous filons des contrebandiers qui importent du plutonium en provenance de l'ex-URSS et de Yougoslavie via Hong Kong avant d'atteindre Seattle. Il a été démontré que le Tarakan servait souvent de navette pour faire entrer des marchandises dans la zone des 7000. Le plutonium a tué l'équipage, comme il a tué les gens de Charno. Votre enquête est donc achevée, agent Wilmore. Vous allez embarquer immédiatement pour Seattle. Nous reprenons votre mission ici. Nous vous conduisons à l'aéroport tout de suite. Les mêmes brûlures que les autres. Mulder, allez, on continue. Je crois qu'il reste vraiment peu de temps cette fois. Scully, j'aurais besoin de ton aide. Il me faut les 2 clés de la porte blindée qui donne accès à l'entrepôt. C'est important, aide-moi. Courez. C'est vous. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez Mulder. Il doit être en pleine crise narco-somnambulique, c'est sûr.
sûr. Je pense que le mieux, ce serait d'arriver à l'entraîner dans la chambre d'isolation. Quand il sera là-bas, je verrai comment déclencher son réveil. Ok, mais comment faire? Il faut d'abord savoir où est l'autre clé que Mulder voulait trouver. Quel que soit son contenu, cette pièce est protégée par une espèce de porte blindée. Je suis convaincue que la serrure est actionnée par une commande à double clé. Il faut absolument tourner les deux clés simultanément, comme pour le lancement d'un missile. Le gardien de l'une des clés est dans le coin de cette pièce. Si je parviens à capter son attention, vous venez sans vous faire voir, vous l'assommez et ensuite on entraîne Mulder dans cette chambre. Mais avant tout, il faut désactiver les circuits de la chambre. Attention, la porte de la zone de sécurité s'est verrouillée une fois que je suis passée. Nous devons d'abord la réouvrir. Ça explique les mutilations du bétail. Agent Wilmore, ravi de vous voir ici. C'est vous? Oui, c'est moi. Je suis sûr que vous aimeriez y voir enfin clair. Oui, il y a quelque temps que ça me fait envie. Très bien. Mon travail était de dévier votre attention de ce qui se passait réellement. Le plutonium en fraude. Le gang des Russes. Wong. De la pure invention. C'est moi qui ai mis toute l'affaire sur pied. Pourquoi? Pourquoi? Pour l'argent. Une fortune. Je n'allégrerai pas que j'ai été poussé par mes convictions. Je suis bien content qu'on se soit retrouvés, mais à mon grand regret, il va falloir que je vous tue. Arrêtez! Monsieur, je suis l'agent Scully du FBI. Ne faites plus un seul pas! Des terroristes ont pénétré dans votre bâtiment, il faut que vous nous aidiez. Je ne peux pas quitter mon poste! Monsieur, je suis du FBI et je vous prie de m'accorder votre assistance. Vous avez trois secondes avant que je tire! C'est une chose très importante, nous avons besoin de vous... Tournez la clé. Tournez la clé. Agent Wilmore, je sais que vous êtes bouleversé par ce qui s'est passé. Nous sommes tous affectés par le malheur d'un de nos proches. Je ne m'en doutais pas. Mark était mon ami. J'aurais dû être plus attentif, c'est possible. Mais aucun de nous n'est fautif. Excepté l'agent Cook lui-même. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Je suis juste venu vous dire au revoir. J'ai parlé au lieutenant Astadourian et apparemment, en fouillant l'appartement de Cook, ils ont retrouvé heureusement mon portable, mais il semble bien que Cook ait fait une sorte de mise en scène dans le but de faire croire qu'il avait été agressé. Oui. Il semble que les agents Mulder et Scully aient parlé au directeur adjoint Skinner. Oui, apparemment votre travail a été examiné avec beaucoup d'intérêt par le bureau. Vous avez un fan en la personne du directeur adjoint Skinner. Et pourtant, j'avoue que certains rapports m'ont semblé un peu fantastiques, pour ne pas dire autre chose. C'est vrai, monsieur, je le reconnais. J'ai l'habitude d'entendre ça. J'ai un avion à prendre d'urgence, mais l'agent Mulder m'a demandé de vous dire qu'il avait retrouvé l'usage de son pied.
Ah, ça me rassure. Je voulais vous dire merci, en tout cas. Je n'aurais pas voulu rater ça. Merci. Vous avez l'air complètement vidé, mon vieux. Rentrez chez vous et reposez-vous. On se verra demain, demain à la première heure. Et j'attends impatiemment votre rapport sur cette affaire. Je compte sur vous. Compris ? Oui, monsieur. Au fait, l'inspecteur Astadourian m'a dit qu'elle avait quelques papiers à vous faire signer. Elle compte vous les apporter à domicile. Je lui ai conseillé de les envoyer ici. Elle semblait tenir absolument à vous les remettre en main propre. Oui, monsieur. Agent Villemort. Je crois savoir ce que vous voulez. Attendez une seconde, je vais le chercher. Non, inutile. Ne me le donnez pas. Il vous sera encore utile. Bientôt. Oui, c'est lui. Merci. Oui. C'est lui. Merci. Arrêtez! Monsieur, je suis l'agent Scully du FBI. Ne faites plus un seul pas! Des terroristes ont pénétré dans votre bâtiment, il faut que vous nous aidiez. Je ne peux pas quitter mon poste! Monsieur, je suis du FBI et je vous prie de m'accorder votre assistance. Vous avez trois secondes avant que je tire! C'est une chose très importante, nous avons besoin de vous! Thank you.
Croyez-moi, je suis désolé. Cette affaire me dépasse totalement. Je ne peux rien faire pour vous.